Si vous voulez bien, on va tourner dans 1 Timothée 6. On continue notre survole sur le livre de l'Épître de Timothée que Paul écrit. Et c'est un livre qui a beaucoup d'instructions pour nous, n'est-ce pas? Et qui est extrêmement nécessaire pour l'Église de nos jours. Parce que souvent, je pense qu'on a négligé beaucoup de choses. Concernant comment est-ce que l'Église, comment est-ce qu'on devrait se conduire à l'Église, dans l'Église, et qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, dans 1 Timothée, au chapitre 6, nous allons lire les deux premiers versets. Ça nous dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soit pas calomnié ou ne soit pas blasphémé, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Amen. Très intéressant que Paul, encore une fois, met une emphase. Même, je prends, il insiste, ici dans ce passage-là, il insiste que Timothée enseigne ces choses-là et les recommande. On a vu à quelques reprises que Paul met cette emphase-là. Il a dit d'exposer certaines choses, n'est-ce pas? Après ça, il dit déclare ces choses et enseigne-les. Il y a toujours une emphase de l'importance d'enseigner et de recommander les choses dont Paul écrit à Timothée. C'est une instance d'enseigner et de recommander. C'est comme on voit ici, on peut quasiment ressentir une ténacité de la part de Paul. Timothée, tu as besoin d'enseigner ces choses. Ce que je te dis, ce n'est pas simplement des mots pour bien parler, pour rien dire, par contre. Non, c'est des choses que tu dois enseigner. Il y a une ténacité, une persistance. Et Timothée doit montrer un courage d'enseigner et de recommander ces choses-là. Parce que ce n'est pas toujours des choses qui viennent plaire à l'homme en tant que tel. Ce n'est pas toujours des choses qui sont faciles de recevoir. Et spécialement dans le contexte dans lequel il parle, nous allons voir que lorsque Timothée a besoin d'enseigner ces choses-là, de recommander ces choses-là aux esclaves, aux serviteurs. Ça prenait du courage parce qu'il y avait bien des gens qui n'avaient pas aimé nécessairement son discours concernant ces choses-là. Il aurait peut-être mieux aimé d'entendre « Ah, mais là, vous avez besoin d'être libéré. Prenez votre liberté. Puis, écoutez, vous n'êtes plus des esclaves en Jésus-Christ. » Paul, au contraire, donne à Timothée une instruction. Comment est-ce que les esclaves envers leur maître doivent agir? Et ça prend du courage pour enseigner ces choses-là, parce que ça vient à l'encontre de la mentalité populaire. Et on le voit de nos jours. Paul donne une instruction à Timothée et il doit avoir le courage de faire assimiler, c'est ça l'enseignement, c'est de faire assimiler cette doctrine qui vient pour honorer Dieu, de l'expliquer, de mettre ces choses-là au clair, et d'adresser justement le besoin que Paul voit concernant les esclaves et les maîtres, de l'adresser de ces choses-là par l'exhortation et l'instance et la supplication. Mais une des choses qu'on remarque dans ces deux versets-là, c'est que Paul, à travers son épître, nous montre à vivre honorablement à l'égard de tous. Même à l'égard de ceux, des fois, ça peut être plus difficile. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où est-ce que ça peut être difficile d'honorer quelqu'un? Ça peut être difficile d'honorer quelqu'un qui est au-dessus de nous, que ce soit un employeur ou quoi que ce soit. Ça peut être difficile de mettre ces choses-là en pratique. Mais Paul enseigne de vivre honorablement à l'égard de tous. C'est ce qu'il donne comme précepte à Timothée et qu'on le retrouve au travers des Écritures.
de vivre avec une considération respectueuse à l'égard de tous. La façon qu'on on se traite les uns les autres. On doit toujours avoir une considération respectueuse, avoir de la déférence. Et envers tous, c'est pas l'enseigner. L'enseigner même envers les autorités. Il a dit à Timothée, il dit, de prier pour ceux qui sont en autorité, n'est-ce pas? Ceux qui sont élevés en dignité. Et c'est de démontrer, dans un sens, le respect que nous avons pour les autorités, parce qu'auparavant, vu que Timothée a marché souvent avec Paul, il a entendu ses instructions qu'il a données, comment est-ce qu'on doit être soumis aux autorités, et de rendre à chacun ce qui leur est dû. Et dans le contexte dans lequel il dit, si vous donnez de l'impôt, donnez de l'impôt. Si vous donnez des tribus, donnez des tribus. La crainte, donnez la crainte. L'honneur à ceux qui doivent recevoir l'honneur. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Et de le faire, non simplement parce qu'on craint que ça va mal aller, non, de le faire par motif de conscience envers Dieu. C'est ça ce que Paul dit dans le contexte d'être soumis aux autorités et d'honorer ceux qui sont en autorité. Et je veux juste mettre une petite parenthèse. Parce qu'on honore quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils font. On a juste simplement de lire les prophètes pour réaliser que malgré qu'il y avait un respect pour le roi, les prophètes étaient en mesure de reprendre les rois à cause de leur conduite. Il leur dit à maintes reprises, on a juste besoin de lire Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, comment est-ce qu'ils ont repris les rois. Ils parlaient directement au roi. Et non seulement le roi d'Israël ou le roi de Juda, mais les rois alentours. Malgré qu'ils parlaient avec une considération respectueuse dans le fait qu'ils sont dans des positions que Dieu les a placées. Parce que ce que Paul, n'est-ce pas, nous rend vraiment clair que toute autorité vient de Dieu. C'est lui qui établit les autorités. Mais on doit avoir une considération respectueuse tout en disant la vérité. On voit des choses qui se passent en ce moment par ceux qui sont en autorité. Et je vous dis, c'est condamnable ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre complètement de Dieu. Mais on a un devoir de prier pour ceux qui sont en autorité. Et c'est une forme de démontrer notre considération respectueuse. Dieu est capable de sauver le pire des hommes. Il a donné l'exemple en Paul, n'est-ce pas? Paul dit, je suis le chef des pécheurs. C'est ce qu'il dit, tu prie. Donc, tu te dois de prier. Donc, c'est une forme, je crois, de démontrer, justement, cette considération-là envers ceux qui sont en autorité. Mais on le fait par motif de conscience envers Dieu. Paul encourage Timothée à même reprise. Conserve-toi pur. Toi-même, conserve-toi pur. Dans sa deuxième lettre, il va faire la même chose. Il ne veut pas que Timothée participe dans les péchés d'autrui. Il ne veut pas que Timothée se fasse embarquer dans le péché de dire, mais c'est pas plus grave que ça. Non. Toi-même, conserve-toi pur. Regardez ce qu'il dit dans Timothée également, dans sa deuxième lettre. Dans Timothée 2, ça nous dit, dans une grande maison, au verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur, et c'est l'encouragement de ne pas se laisser entraîner dans des choses qui sont contraires. On ne doit pas se laisser entraîner, frères et sœurs, par tout ce qui se passe et de manquer de prier, de considérer avec respect ceux qui sont en autorité. On doit se conserver pur. Mais si Paul dit que quelqu'un qui n'était pas nécessairement un vase d'honneur peut devenir un vase d'honneur, c'est ce qu'il nous dit ici. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera ou il deviendra un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que Paul est en train de dire?
C'est un encouragement à mettre de pratique la parole de Dieu. Comment est-ce que Jésus dit qu'on allait être sanctifié? Quand il a prié le Père, qu'est-ce qu'il dit? Sanctifie-les par comment? Ta vérité. Ta parole est la vérité. Et juste auparavant, Jésus a dit, lorsqu'il priait, il dit, Père, ceux que tu m'as donné, là, ils ont gardé ta parole. Comment est-ce que Dieu nous sanctifie? C'est par la parole de Dieu. Et Paul aussi, lorsqu'il mentionne, il dit que des bases d'honneur sanctifiées. Des gens qui gardent la parole de Dieu. Lorsqu'on garde la parole de Dieu, que ce soit facile ou difficile, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu va s'accomplir dans nos vies. Et on va être en mesure de faire ce qu'il nous demande de faire. On va être en mesure, vraiment, d'emmener un honneur à Dieu. Et c'est certain que, pour ma part, je pense que de se garder pur, ça comprend une bonne conscience. Et c'est ce que Paul fait appel à Timothée d'avoir une bonne conscience et qu'on doit faire appel également dans tout ce qu'on a besoin d'obéir selon la parole de Dieu, faire appel à notre conscience, à la conscience de l'homme. On connaît les choses que Dieu nous enseigne. Et ce matin, je vais vous assurer que ce que Paul écrit ici, c'est exactement ce que Jésus a prescrit. Pourquoi? Parce qu'il a dit à ses disciples, « Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, lorsqu'ils s'adressent aux esclaves en relation avec leur maître, c'est ce que Jésus a prescrit. Et c'est quelque chose qu'on doit observer. Et c'est pour ça qu'il faut faire appel à la conscience. Même pas dans Timothée, justement, le premier chapitre, au verset 5, il dit, le but de cette recommandation, c'est l'amour et une bonne conscience. Même il dit de combattre, au verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Frères et sœurs, ce qui garde notre conscience claire, c'est lorsqu'on marche avec Dieu et on obéit à ce qu'on connaît que Dieu nous révèle dans sa parole. Et en gardant ces choses-là, l'œuvre de Dieu qui nous sanctifie se fait. On devient de plus en plus comme lui. On n'est pas sauvé par ces choses-là, mais parce qu'on est sauvé, parce qu'on a son esprit et qu'on garde sa parole, la sanctification. Il y a des gens qui cherchent à être, « Oh, ça va être sanctifié, je vais être sanctifié. » C'est bien simple d'être sanctifié. Gardez la parole de Dieu. Jésus dit, « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. » Des fois, on s'acharne à dire, « Oh, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi. » Jésus nous dit, « C'était très clair, sanctifie-moi. » Par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Paul a continuellement témoigné justement de cette bonne conscience-là. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit lorsqu'il était devant les rois, jusqu'à ce jour devant Dieu. Ma conscience est sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Même il dit notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus paisible et de plus agréable de marcher avec une conscience qui est claire. Qui est claire devant Dieu, qui est claire devant les hommes. Il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accusation. On marche le cœur droit et humble devant Dieu. On garde une bonne conscience. Allez avec moi dans Hébreux 13. Ça va pas aussi vite pour moi, vous allez être bon pour vous rendre, parce que juste une main, c'est pas toujours dans Hébreux 13. Hein? Et regardez, qu'est-ce qui amène vraiment également une bonne conscience? C'est le fait qu'on sait qu'on marche droitement. Au verset 18, il dit, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. » Notre conscience témoigne qu'on marche droitement, qu'on marche dans la justice, qu'on marche dans la sainteté, qu'on marche avec Dieu. Et Paul aussi va enseigner quelque chose que Pierre lui-même également met en lumière. Je l'ai avec moi dans 2 Pierre. La première Pierre, excusez-moi. 1 Pierre, 2e chapitre.
comme j'ai mentionné, c'est quelque chose que Pierre ici veut qu'on marche avec respect à l'égard de tous. Et il nous l'a enseigné concernant, avant de lire le verset, il nous l'a enseigné concernant, dans cette épître de Timothée, il dit à l'égard de tous, il dit, les vieillards, comment est-ce qu'on devrait traiter les vieillards? Comme des pères. Les dames âgées, pas les polis, hein? Les vieillards, les hommes, les vieillards, les femmes âgées. Comme des mères. Et qu'est-ce qu'on est appelé à dans notre relation avec père et mère, c'est comment honore ton père et ta mère. Donc, et il donne ça dans ce contexte-là, dans 1 Timothée 5, n'est-ce pas, concernant chacun de nous, comment est-ce qu'on devrait faire d'honorer, de marcher honorablement les uns envers les autres. Envers les veuves, on a vu envers les veuves, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Ça ne veut pas dire de ne pas honorer ceux qui ne sont pas véritablement veuves. Tout ce que Paul disait, c'est que qui va prendre soin des veuves? À qui va être la charge? À la famille ou à l'Église? Tout dépendant de la circonstance. Mais c'était d'honorer les veuves. Hein? On a vu la semaine passée, d'honorer qui les anciens. Ceux qui sont dignes d'un double honneur. Donc, Paul veut que dans les relations, qu'on marche les uns avec les autres avec considération, une considération respectueuse les uns envers les autres. Et maintenant, ce qu'il enseigne, c'est que maintenant il va adresser les serviteurs. Regardez ce que Pierre également a enseigné. Au verset 18, du deuxième chapitre, 1 Pierre 2, 18, ça dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » C'est intéressant que Pierre dit que la nécessité de respecter même les maîtres, même ceux qui sont difficiles. Et Paul, dans Timothée 6, au premier verset, ça dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude ou de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur. Hein? Ça ne dit pas « Regardez mon maître parce qu'ils sont dignes. » Mais regardez-les comme dignes. Et ça vient adresser le cœur, ça vient adresser l'attitude du cœur. Hein? Est-ce qu'on marche en soumission à Christ? Est-ce qu'on marche en soumission et obéissance à sa parole? Est-ce qu'on est sanctifié par sa parole au point qu'on obéit même dans les situations qui sont les plus difficiles? Nous, on ne vit pas ce que ces gens-là ont vécu. Parce que le terme « maître » qui est utilisé, c'est le terme « despote ». Hein? On sait qu'est-ce qu'un despote, n'est-ce pas? Un tyran, un oppresseur, un dictateur. Hein? Et Paul dit, considérez-les ou regardez-les comme dignes de tout honneur. Ouf! Ça passerait mal avec les syndicats. Parce que Paul considère quelque chose de plus important que simplement le bien-être, notre bien-être personnel. Il y a quoi qui tourne dessus de ça? Dieu veut notre bien-être. Dieu prend soin de nous. Aucun doute. Et c'est pour ça qu'on peut se décharger sur lui. Et Dieu va toujours faire grâce. Il va toujours faire ce qui est juste. Hein? Ça nous dit dans sa parole, l'Éternel est juste de temps en temps. Non, il est juste dans toutes ses voies. Hein? Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Dieu opère parce que c'est ce qu'il est. Hein? Il est juste et il est miséricordieux. Et Paul, ici, enseigne Timothée d'être responsable de faire assimiler la sainte
doctrine. Hein? Et ce que la doctrine de Dieu nous enseigne, frères et sœurs, c'est que maintenant, vous et moi, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est ce que la croix représente. Lorsque Jésus dit, Seigneur, je sais, Père, je sais que tu es capable de faire passer cette coupe-là. Hein? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et cette coupe représentait qu'elle allait prendre sur lui, à la croix, tous les péchés. Hein? Qu'elle allait être l'agneau sacrifié qui ôte les péchés du monde. Mais il a passé à travers la croix. Et maintenant, comme Paul l'a dit dans Corinthiens, hein, une chose qu'on apprend, c'est qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour celui qui est mort pour nous. Et ça, c'est la saine doctrine, frères et sœurs. Et ici, Paul, je crois, met ça en lumière dans ces deux versets-là. Dans la situation dans laquelle les gens se trouvent, esclaves, ou sous le joug de la servitude envers leur maître. Non pas seulement quand ça fait notre travail, quand ça va bien, c'est facile de dire, ah, mais je prends ma croix. Non. Mais la croix, c'est que ça nous amène à la mort. La mort sous moi. Hein? Mais ça amène également à la résurrection de vie. Hein? Je pense des fois, on dit, we cut ourselves short. T'sais, je ne sais pas exactement l'exprimer en français, mais on est à court dans les bénédictions de Dieu parce qu'on ne met pas les choses saintes qui met en lumière de les mettre en pratique. Et c'est là qu'on voit la bénédiction, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu se manifester. Mais on arrête juste avant, puis on prend les choses entre nos mains. Et on sait que quand on prend les choses entre nos mains, ça ne tourne pas bien, n'est-ce pas? Mais regardez comment ce Paul. Mais Timothée, je crois, responsable de faire assimiler la saine doctrine qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais qu'on vit pour l'honneur du nom de Dieu et de la doctrine. Regardez au verset 6-1 dans Timothée. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soit pas blasphémée. Autrement dit, Timothée, fascinez la saine doctrine. C'est en accord avec la saine doctrine que même les esclaves considèrent ou regardent leur maître comme digne. Hein? Digne de tout honneur. Parce qu'on veut honorer le nom de Dieu et la doctrine. On ne veut pas qu'elle soit calomnie. On ne veut pas que le nom de Dieu soit calomnié, blasphémé. On ne veut pas qu'il soit discrédité. Mais plutôt, que ça reflète la saine doctrine. Et au verset 3, ça nous dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça que je dis, ce que Paul est en train de dire, c'est ce que Jésus a prescrit. Hein? Ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Pour discerner la sainte doctrine, c'est toujours à la lumière hein, que c'est selon la piété. Il a dit la même chose exactement à Tite. Je suis un apôtre. Il a été établi apôtre justement pour la foi des élus. Pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, il veut emmener, et je crois que c'est la nécessité d'emmener les gens à s'attacher aux saintes paroles de Christ, comme on voit au verset 3. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, non seulement d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit, mais c'est une responsabilité de recevoir tout ce que Jésus a prescrit. C'est une chose de le dire, c'est une chose de le mentionner, c'est une autre chose de le recevoir, de garder sa parole. Même si c'est dans des situations qui peuvent être les plus difficiles. Paul l'a dit d'une autre façon dans 1 Corinthiens 10, 31, il dit, tout ce que vous faites, faites pour la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu, l'honneur de son nom, sa doctrine, qu'est-ce qu'il nous enseigne. Donc, il adresse, Paul ici adresse ceux qui sont sous le joug de la servitude, de considérer leur maître comme digne de tout honneur. Et le terme maître utilisé, c'est pas seulement un maître et un seigneur, mais comme j'ai mentionné, c'est le despote. C'est quelqu'un qui met sous obligation. C'est le terme qui est utilisé, qui est appliqué seulement pour un esclave. Et ça l'indique l'absolue propriété. Wow! Les hommes à qui il parlait, c'était des hommes qui ne s'appartenaient pas eux-mêmes. Ils appartenaient à un despote. Ils appartenaient à un oppresseur, à un dictateur, on pourrait dire, un tyran. On sait qu'un despote, c'est quelqu'un qui exerce une autorité tyrannique pour dominer. Mais ici, Paul dit qu'il considère le mal comme digne. Comme digne. Quelqu'un qui mérite. Quelqu'un qui mérite d'être honoré. Ouf! Simplement par son rang, sa position. Pas évident, n'est-ce pas? Et de rendre honneur, c'est vraiment de. C'est des honneurs rendus à quelqu'un à cause justement de son rang et de sa fonction. Et le terme peut être également traduit déférence, une considération respectueuse à l'égard d'une personne. Et qui porte, et c'est ça qui est intéressant, la déférence, c'est que ça porte une personne à se conformer au désir de cette personne-là et à sa volonté. Fait qu'ils encourageaient vraiment d'obéir. Exactement ce que Paul a dit, d'obéir, d'être soumis à ceux qui sont au-dessus de leur maître. Et ça, par motif de conscience. Pourquoi je dis par motif de conscience? C'est exactement ce que Paul dit, dans ce sens, pas utilisant ces mots-là, mais c'est ce qu'il dit. Afin que le nom de Dieu, la doctrine ne soit pas calomniée. Tu le fais par bonne conscience. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que le nom de Dieu soit déshonoré. Tu ne veux pas que la doctrine que l'on prêche, qu'elle soit discréditée. Qu'elle soit calomniée ou blasphémée, outragée, diffamée. Et ça vous rappelle-tu de quelque chose que Paul a dit justement concernant les Juifs? Parce que les Juifs étaient bons pour enseigner, ils disaient, nous autres, on a la vérité. Nous autres, on a le droit chemin. Mais il dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Et c'est exactement ce que Paul ne voulait pas qu'il se passe avec les esclaves dans leur relation avec leur maître. On ne veut pas que le nom de Dieu soit déshonoré, qu'il soit calomnié, blasphémé, discrédité. Tu l'as avec moi. Est-ce que c'est une chose que Paul, juste simplement, dit à Timothée, après l'histoire avec ça, ou c'est quelque chose que Paul a enseigné? On est avec moi dans Tite 2. Tite 2, il parle de même type de maître, parce que des fois, le terme maître n'est pas toujours le même. Mais ici, c'est le même qui est utilisé, le même terme, n'est-ce pas? Tite 2, verset 9, ça nous dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contradissant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de quoi? De faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Voyez-vous, notre marche, notre comportement, notre attitude, vraiment démontre et amène de l'honneur à Dieu lorsqu'on vit selon la doctrine qui est selon la piété. C'est ce qu'il dit, afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Sauveur. Le terme, c'est crosméon, qui est utilisé, que ça orne, ça embellit en honorant la doctrine de Dieu.
Ça fait gagner de l'honneur. Voyez-vous, je pensais à ça, je me dis, hey, c'est vrai que, si vous avez déjà entendu des témoignages, les gens disent, mais quelque chose à propos de cette personne-là, hein? Soit au travail, soit lorsqu'ils sont, man, ils gardent leur sang-froid, même s'ils sont outragés, ils parlent bien, ils sont toujours fidèles, toujours à l'heure, toujours, ils font ce qu'ils ont besoin d'être fait. Ils croient peut-être même pas au Dieu qu'ils servent, mais ça amène de l'honneur parce qu'ils voient que c'est par conviction envers Dieu qu'ils agissent de la façon qu'ils agissent. Donc, ça amène, ça gagne de l'honneur pour Dieu lorsqu'on vit selon sa parole. Lorsqu'on met en pratique ces choses-là. Et maintenant, Paul va adresser ça, c'est quelque chose. Parce que là, il y en a qui sont sous l'esclavage. Ils doivent regarder le maître comme digne de tout honneur. Mais là, ces maîtres-là ne sont pas nécessairement des chrétiens parce qu'il dit par la suite, et que ceux qui ont des fidèles pour maître, c'est le même terme, n'est-ce pas? Oh! Je veux dire, il y a des tyrans chrétiens. Il y a des oppresseurs chrétiens. Non, je ne pense pas que Paul fait référence à ça, mais il démontre que même un tyran peut devenir fidèle. Un tyran, un oppresseur peut connaître Jésus-Christ, peut venir à la connaissance de la vérité. Il utilise le même terme, mais ça démontre comment est-ce que Dieu est gracieux et comment est-ce qu'il peut toucher les cœurs. Et comme il le dit à Timothée auparavant, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un médiateur entre les hommes et Dieu. Et c'est Christ qui a donné sa vie en rançon. Il a donné sa vie en rançon pour qui? Pour tous. Même ce type. Mais il n'adresse pas les maîtres du tout ici. Mais on va voir qu'il adresse les maîtres dans pas trop long. Il adresse les maîtres, même ceux qui sont à Éphèse. Donc c'est ça qui est important. Il utilise le même terme, mais ça nous démontre à nous, waouh, la miséricorde de Dieu. Donc, il adresse ceux qui ont des fidèles pour maître. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit de ne pas les mépriser. Parce que des frères, ah, là, ils vont avoir des passeports. Ah, pas besoin d'écouter. Ils devraient. On est égal. On est. Mais il y a quand même des fonctions qui sont différentes. Et Paul dit ne les mépriser pas. Et le terme veut simplement dire de ne pas dédaigner ou de ne rien penser de cette personne-là. Qu'on ne devrait pas tenir pour rien. L'esclave ne devrait pas tenir pour rien son frère qui est maître. Il ne devrait pas développer une attitude et de l'amertume. On sait que l'amertume se fait des rejetons et que ça s'appelle ça corrompt, n'est-ce pas? Et même dans Jean, ça nous dit que lorsqu'on a justement ce zèle amer, que ce n'est pas de Dieu, mais c'est plutôt terrestre, charnel et démoniaque, d'avoir de l'attitude, une attitude qui est amère. Mais il les exhorte ici de dire, il dit, OK, ceux qui ont des fidèles, quand même, ne les méprisez pas sous prétexte qu'ils sont frères. Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés. Ça, c'est des vrais chrétiens. Ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à le faire du bien. Donc, si on met dans le contexte de nos jours, parce que nous, on ne connaît pas vraiment la réalité d'esclaves et de maîtres, on connaît la réalité d'employés et d'employeurs. On connaît la réalité d'être sous une personne à cause de leur fonction, à cause de leur rang. On a une responsabilité devant Dieu de bien servir. Même s'ils ne sont pas des chrétiens, mais s'ils sont chrétiens, d'autant plus, qu'il veut dire. D'autant plus. À plus forte raison. Beaucoup plus volontiers, plus promptement.
va s'attacher à leur faire du bien dans le but de les aider. Et maintenant, pourquoi Paul n'adresse pas les maîtres? Parce que Timothée est au courant des maîtres. Timothée est au courant, je veux dire, de qu'est-ce que Paul a enseigné concernant les maîtres. Et le maître aussi, les maîtres ont des responsabilités. Mais lorsqu'il parle aux maîtres, il ne parle pas avec le même terme de despote. Pourquoi? Parce que maintenant, lorsqu'il adresse les maîtres qui sont chrétiens, ils ne sont plus des despotes. Ils ne sont plus des tyrans, ils ne sont plus des oppresseurs. Ils sont maintenant frères dans le Seigneur. Et il les adresse de cette manière-là. Allez avec moi dans Colossiens 4. Ça nous dit au verset 1, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Soyez conscients que vous aussi, vous avez un maître. Et comment est-ce qu'il agit envers vous? Il est juste, il est équitable. Il est droit, juste. Vous devez être droit et juste. Mais le terme implique, lorsqu'il parle des maîtres qui doivent être justes, il parle dans les termes de ceux dont la pensée, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. Que la pensée, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. Et dans ce temps-là, frères et sœurs, c'était reconnu ce que Dieu enseignait concernant ça. Il dit, t'opprimeras pas les mercenaires. T'opprimeras pas tes serviteurs. T'opprimeras pas tes serviteurs, même qui sont frères. Mais au bout de 6 ans, il avait une responsabilité de les laisser aller. C'était quelque chose qui était enseigné, quelque chose qui était mis de l'avant en tant que chrétien. Il savait comment il devait se comporter. Même Jean avait dit, si j'ai opprimé, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur, parce que c'est comme, non, j'ai pas méprisé mes serviteurs. Mais il aurait fait ce qui était droit, ce qui était équitable. On doit toujours être conscient que Jésus dit, vous êtes tous frères, n'est-ce pas? Vous êtes tous frères. Allez dans Éphésiens 6. On achève, on essaie d'accélérer, là. Éphésiens 6 au verset 5, ça nous dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas simplement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui le font de bon cœur, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra le Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Agissez de la même façon à leur égard. Faites ce que vous faites comme pour le Seigneur. Parce que vous avez un maître qui est au-dessus de vous. Honorez-le. Il dit, maintenant, vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Il n'y a pas d'exception de personne devant Dieu, devant le Seigneur, devant votre maître. Donc, faites attention à comment vous agissez envers ceux qui vous servent. Il ne faut pas de femme, il ne faut pas de pasteur. Donc, c'est une chose que Paul enseignait et il a écrit directement aux Éphésiens. On sait que Timothée était à Éphèse lorsqu'il a reçu cette lettre-là. C'est lui qui était mis en charge de l'église d'Éphèse à ce temps-là. Donc, ces choses-là concernant les maîtres étaient déjà enseignées. Les choses concernant les serviteurs étaient déjà enseignées. Mais Paul voulait mettre une emphase sur les serviteurs, les esclaves. Pourquoi? Probablement plus difficile d'être soumis à ce niveau-là. Et mais ces choses-là
de l'avant devant eux. Hein? Doit être équitable. Doit faire les choses honnêtement. Et lorsque je regardais ça, je dis, c'est vraiment l'ensemble de ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Hein? D'avoir une considération de charité qui est sans hypocrisie. L'avoir par excellence, on ne peut pas le faire, n'est-ce pas? On pourrait tout faire, on pourrait tout donner, mais si on n'a pas l'amour, ça sert à quoi? Absolument rien. Et Paul enseigne dans Romains 12, je n'ai pas nécessairement besoin de tourner, mais ça dit « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Et c'est ce que Paul ici enseigne. En tant qu'esclave, les choses qui sont mal, de manquer de considération respectueuse envers vous-même, mettez ça de côté. Attachez-vous à ce qui est bien, qui est d'être soumis, qui est de servir comme si vous serviez le Seigneur et non pas les hommes. Ça nous dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur ou déférence, par considération respectueuse, usez de prévenance réciproque. Autrement dit, Paul encourage les gens d'aimer et d'être un exemple, être un modèle. Aller de l'avant. Le terme qui est utilisé pour user de prévenance, c'est-à-dire aller devant et montrer le chemin. Précéder et conduire comme un chef. Vous avez dit, soyez un modèle. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée, juste auparavant, au 4e chapitre? Il dit que personne ne méprise ton âge, ta jeunesse, mais sois un modèle. Pour les fidèles. Sois un modèle. C'est ce que Paul et c'est ce que l'amour nous encourage à faire, enseignant de l'amour. C'est une invitation, je crois même une exhortation pour qu'on soit des modèles. Deux choses en terminant que j'aimerais mettre devant vous. Je crois que ce passage-là nous aide et nous enseigne quelque chose, des vérités qui sont basiques, qui sont élémentaires, mais qui sont extrêmement nécessaires. Nous, en tant que chrétiens, on applique ça parce que nous sommes dans un sens, comme Paul l'a dit, je suis un esclave de Christ. Je suis serviteur de Christ. On est sous son autorité. Et pour nous, ça nous amène, je crois, de la consécration pour le service. On sait que consécration parle de sainteté, parle de pureté. Mais dans le dictionnaire, une des définitions, c'est l'action de se donner à Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage. Si vous allez avec moi dans Colossiens 3. Colossiens 3, verset 22, ça nous dit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Donc, ça s'applique à nous. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur dans tout. Nous, en tant que serviteurs, on doit avoir une consécration de se donner à Dieu et c'est dans le service. On se donne à Dieu dans le service, comme pour le Seigneur. Le Seigneur nous a donné un exemple, frères et sœurs, qui est je crois qu'il a bouleversé les disciples et qui nous bouleverse également aujourd'hui. Il a lavé les pieds des disciples et dit, comprenez-vous ce que je vous fais? Il a servi dans l'humilité. Il a lavé leurs pieds. On pourrait dire la job la plus basse qui existait dans ce temps-là. Le serviteur le plus bas des serviteurs, c'était celui qui lavait les pieds. Et il a lavé leurs pieds et dit, faites comme je vous ai. Suivez mon exemple. On sait que l'exemple de Christ, c'est qu'il s'est humilié. Il s'est humilié se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et je pense que c'est une leçon pour nous d'adapter justement cette mentalité-là de la part du Seigneur, de marcher dans l'humilité, d'être prêt à servir. D'être prêt à se donner à Dieu en servant les hommes comme le Seigneur. Comme ça serait pour le Seigneur. Paul encourage justement de se laisser attirer par ce qui est humble. Et Jésus est venu pourquoi? Il est venu pour être servi.
point, il dit, je suis venu pour servir et donner ma vie. Et c'est le type de service que le Seigneur nous appelle, c'est de donner sa vie, hein, les uns pour les autres. Dans un autre contexte, il dit, c'est ça, c'est vraiment l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Hein? Mais cet amour-là se manifeste à travers notre le mot me vient en anglais, là, hein, notre aptitude à servir. D'être prêt à servir. La deuxième chose, je crois, qui est extrêmement importante dans ce passage-là, c'est une leçon concernant le contentement. Ça, c'est une leçon qui est extrêmement difficile dans notre génération. Extrêmement difficile. On est habitué d'avoir tout ce qu'on veut dans les affaires. On veut que ça soit comme on veut que ça soit, n'est-ce pas? On s'est monté des structures justement pour pouvoir accomplir ce qu'on veut. Hein? Allons ensemble dans Philippiens 4. Philippiens 4, ça nous dit au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être quoi? Content. Content de l'état ou dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à être satisfait, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux vivre dans le contentement par celui qui me fortifie. Dans la situation dont on se trouve, frère, ça, je ne sais pas quelle est votre situation, mais des fois, on est dans des situations qui sont déplaisantes, qui sont difficiles. Hein? On s'en remet au Seigneur. Hein? On se contente de l'état dans lequel nous sommes parce qu'on sait que le Seigneur n'a pas simplement vécu la disette, il a également vécu l'abondance. Mais j'ai appris une chose, c'est d'être content de l'état où je me trouve. Lorsque je suis en ce moment, j'ai appris en m'en permettant au Seigneur d'être content parce que le Seigneur me donne la force. Je peux passer à travers ces choses-là. Et en bouclant, lorsqu'on passe à travers ces choses-là, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu se manifester. Voyez-vous, les enfants d'Israël voulaient se tourner le bord à maintes reprises. Mais c'est en allant de l'avant qu'on vit la gloire de Dieu. Jésus dit, non, je vais vous emmener. Et il a dévoilé sa gloire à travers ces choses-là. On voit dans les Écritures, justement, ce précepte, ou ces préceptes que Dieu se sert pour notre sanctification. On va terminer avec un verset. Là, je vous promets, c'est le dernier. 1 Corinthiens 7. Les paroles, donc, j'ai dit, c'est le dernier passage. 1 Corinthiens 7. Puis on sait le contexte de ce passage-là, c'est il parle de mariage, il parle de relations entre les femmes. Et puis, c'est pas une mauvaise chose de se marier, même. Il dit, c'est préférable dans les temps dans lesquels on vit de ne pas nécessairement se marier, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est mieux de se marier que de brûler. Hein? Et puis, Paul réalise que chacun a son don de la part de Dieu. C'est pas tout le monde qui peut rester seul, mais il y en a qui peuvent. Et ainsi soit-il, hein? S'ils peuvent. Hein? Et il adresse ceux qui sont mariés. Et puis, ceux qui ne sont pas mariés, ne cherchez pas à être liés. Si vous voulez, ne prêchez pas si vous faites lier. Mais regardez ce qu'il dit au verset 17. Il dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je le donne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis? La circoncision n'est rien, ni et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Souvenez-vous le contexte à propos du mariage, mais là, ici, il fait une application plus loin que ça.
Au verset 21, il dit, « As-tu été appelé étant esclave? Hein? » Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, prophétise-en plutôt. Fait que Dieu dit, si tu peux être libre. Car l'esclave, au verset 22, qui a été appelé dans le Seigneur, est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et dans le cas ici, d'un contentement, les esclaves, ok, je suis appelé esclave, mais si je peux, alléluia, gloire à Dieu, sinon, mais je sers comme si je servirais le Seigneur. C'est intéressant que Paul donne cette instruction-là, il veut faire assimiler cette doctrine que notre service, quel que soit le service qu'on rend, c'est toujours comme pour le Seigneur. Amen. En tout temps. On doit être conscient de ça. Si on peut se lancer dans ce moment.